fare un video da Renzi, insomma, no? Pure sì, prima c'è. Bravo, magnifico. Allegro. On va pas vous dévoiler, mais je crois qu'il faut danser et chanter avec toi. Je lève le mien. Restez debout parce que. C'était possible, maintenant je ne sais pas si pour le faire. Je sais que Bernard lui dans sa. Qui est Bernard? Bernard, c'est monsieur qui s'occupe de l'association des enfants. Les enfants du Birmanie. Du Birmanie. Qui ont salué encore de tout cœur. C'est avec lui que nous avons fait aussi deux beaux spectacles à la, maintenant ça fait la troisième année, à l'église de la Sainte Aguille. Et tout l'argent la, tout la, tout que nous récoltons, donc vont pour faire un dispensaire, c'est ça? Un dispensaire pour accueillir les enfants malades. Naturellement, ben Pierre, tu pourras en parler avec moi, c'est plus petit que ton association, mais chaque dos, ben, c'est petit. La corale est en place. Voilà, je vous prie de croire que vous avez participé à cette partie finale. Je vous laisse accompagner de la corale Guido d'Arezzo et de Santo Maracan. Oh,
monsieur Benzi, Renzi. Ben le voilà. Ah, j'en suis sûr que c'est lui, attendez. Pierre, je sais que tu le connais. Je suis au fil de monsieur Renzi, qui me disait, nous avons changé l'hymne national italien. Je me dis, pourquoi? Parce que l'Italie avait perdu entre la France 3-0, je ne sais plus à quelle époque. Ils avaient tout changé, ils ont changé, ils ont tout transformé pour adapter celle-ci. Je me suis dit que c'était quand même bien, c'était aussi bien qu'on change. Tu vois, mais là j'ai besoin vraiment d'une contribution. Je l'ai écrite sur ma table, elle est facile. On la retient facilement, ne vous tracassez pas. Écoutez, juste les premières notes, vous allez voir. Et je demande une petite contribution, naturellement, vocale, hein. Attention, pas plus. Tu es bien pour elle. T'es sûr que tu as retenu le morceau, ça c'est en écart, mais là, si. Oui, t'es obligé aussi, hein. Allez, mon, c'est pas, vous allez voir. Elle est facile à retenir.